Ok les gars, nouvelle boutique du 10 avril 2021, on est censé avoir une très bonne boutique ce soir, n'hésitez pas pour fêter ça à utiliser le code créateur LWN en majuscule en minuscule, c'est la même chose, acceptez, c'est totalement gratuit à faire, on est parti du coup. Bon alors déjà, attends, parce que là c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, déjà on commence dans un premier temps, Volt du survivant. Ok, bah merci mon petit Tachi pour le cadeau, ça fait plaisir. Du coup, une nouvelle danse. Ah, elle est énervée en vrai. Hey, elle est grave vénère la danse, hein. Ok, bah stylé pour 200 bucks, c'est stylé. Alors ensuite, on a notre petit squelette préféré qui fait ce retour. Merci encore Itachi, mais Itachi, merci Itachi, ça fait plaisir. Double merci à toi. Donc les petits skins Oro qui fait ce retour. En continuant, c'était avec le planeur qui a 3 customs, tout comme le skin. Une custom qui brille, une custom qui ne brille pas, et enfin une custom en mode un petit peu bantletisé, genre momifié. On continue avec la tenue pré-science qui fait son retour. Un prix de 1200, le petit sac à dos aussi, 2 customs à disposition, la tenue clairvoyant, 2 customs aussi sur le skin, pareil sur le sac à dos. Ok, on est bon. Ensuite, on passe du coup à la tenue experte des câlins qui fait son retour. Au prix de 2000, le petit planeur air câlin. Vendu au prix de 800 V-Bucks, le petit outil de collecte, le petit revêtement normalement pour terminer. On a ensuite... non, j'avais oublié, j'oublie tout le temps ce planeur, bordel de merde. On a ensuite, par contre, là dans la partie quotidienne, le retour de la tenue Focus. Vendu au prix de 1200, la guerrière radieuse, que j'avais pas pu acheter la dernière fois puisque mes achats étaient bloqués. Boum, ça c'est parti monsieur, ça fait très plaisir. Ok, on passe ensuite à la... du coup, au revêtement, pardon, magma, qui est vendu au prix de 700. La piste musicale, du coup, douceur de vivre. Merci encore à Itachi pour le cadeau, ça fait très plaisir. La danse spooky, qui est toujours disponible. Et on termine avec beau boulot. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Le retour de la guêpe vorace, ok. 1500 V-Bucks, l'outil de collecte qui va avec, le petit planeur. Par contre, attends, hey, me dis pas que la super méga giga boutique, c'est ça. Epic Game, me dites pas que la super méga giga boutique, c'est ça. Mais en vrai, attends, ces skins-là, ils devaient être hyper rares. J'ai pas l'outil de collecte, donc ça veut dire qu'attends, ça doit faire au moins genre 800 jours qu'ils sont pas ressortis, bordel. Ça fait super longtemps, attends, wesh. Chouki, alors ensuite on a l'Astro Assassin qui fait son retour, au prix de 1500, la tenue Tarot, vendue au prix de 1500 elle aussi, la tenue Nara, mais tout ça les gars c'est des skins ultra rares hein. Attendez, là ils ont fait une dinguerie là, dans la boutique, qu'est-ce qui se passe wesh? Eh ils ont fait une tuerie là. Ensuite, waouh, encore des danses, Kongalama qui fait son retour, au prix de 500 V-Bucks, la danse Zinzin, Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les boutiques, là? Eh, gros, ils font revenir tous les trucs rares, là, d'un coup. Oh, mec. Bon, en vrai, j'en avais déjà beaucoup, hein, mais... Moi non plus, je sais pas, Epic Game. Et enfin, on termine, normalement, avec, du coup, les skins manga qui sont toujours disponibles et qu'on va, bien entendu, se procurer puisque on n'a pas pu se les procurer hier, donc il était temps qu'on se les prenne. Et c'est tout, du coup, normalement, pour cette boutique. Clique ici afin de visionner une autre de mes vidéos. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous. Peace.